Salut tout le monde, c'est Chiki et on se retrouve pour une vidéo assez particulière, un type de vidéo que je n'ai pas l'habitude de faire, et c'est la réception d'un colis, d'une collection de cartes que j'ai achetées qui vaut 1 300 €. Le vendeur m'a qui est Ludo Muto, il fait des vidéos, donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne qui sera dans la description, a voulu vendre ses cartes. Il y a plus de 3000 cartes. Dedans, il y a 75 secrets rares, 450 ultra rares, à peu près 400 et quelques super rares, 1700 communes et il ne sait pas combien de cartes rares. Donc clairement, on est sur une collection pas dégueu. Je vous l'ai dit, elle vaut à peu près 1 300 € selon lui. Ça peut être un petit peu moins, un petit peu plus, ça dépend du cours de certaines cartes. Et du coup, moi, j'ai vu que j'ai acheté en lot toute la collection d'un coup, ça m'a coûté beaucoup, beaucoup moins cher. La plupart de ces cartes vont repartir à la revente, hein, puisque vous savez que lui... Enfin, vous savez que je vends des cartes Yu-Gi-Oh! Pour certains qui savent ça. Ça fait un moment que j'en ai pas parlé en vidéo. J'avais déjà fait des vidéos où je vends ma collection de cartes. Des fois, je rachète des cartes pour les revendre. Et du coup, bah, c'est vrai que j'ai fait une affaire en achetant cette collection et je tenais à vous la partager. Clairement, c'est assez impressionnant. Déjà, je tiens à remercier, hein, bien sûr, La Poste pour cet envoi de qualité. Hein. Franchement, le pauvre colis a pris extrêmement cher. On va déjà commencer par déballer ce colis. Bon, je dois vous avouer que j'ai pas le meilleur des points de vue, hein. Bon, je suis pas trop habitué à ça. Mais dans ce colis, on a une boîte, on a trois boîtes qui contiennent chacune énormément de cartes. On va pas voir les communes, on va pas regarder les communes, hein, puisque c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. On va surtout regarder tout ce qu'on a en rare, super rare, ultra rare, secret rare, puisque c'est ce qui nous intéresse le plus, c'est ce qui a le plus de valeur. Après, il y a certaines communes qui ont quand même de la valeur. Déjà, dans la première boîte qui était du dragon légendaire, on a pas mal de communes qui sont derrière. Bon, ça, je vais pas vous les montrer, puisque c'est pas le plus intéressant. Là, on a pas mal de cartes qui viennent des movie packs. La plupart en anglais, toutes en ultra, mais bon, ça, c'est pas ce qui va... Nous montrer, c'est pas ce qu'il y a de plus de valeur, hein, dans ces cartes. Ah, à part zombie épidémique, cette carte pourrait être intéressante. Par contre, un petit truc que je trouve que j'ai pas trop bien aimé, c'est par rapport au transport pour les cartes. Puisque, bon, si vous êtes un collectionneur, si vous êtes un revendeur, vous voulez avoir les cartes dans le meilleur état possible. Là, les cartes sont dans un très bon état, et je suis un petit peu étonné. Vu le voyage, puisqu'en fait les cartes n'ont pas été mises sous sleeve ou dans des classeurs. Après, c'est sûr que après il faut avoir un colis encore plus gros, mais l'état des cartes est vraiment neuf. Clairement, à la revente, ça va pas faire perdre de la valeur aux cartes. Là, clairement, on peut classer ces cartes en Earmind. Vous voyez que clairement, il n'y a pas de rayures sur les cartes, même sur les côtés. Voilà, c'est pas usé du tout, alors que les cartes étaient dessus, quoi. Elles pouvaient bouger un petit peu dans la boîte, et pourtant, elles sont très classe. D'ailleurs, Silent Paladin, une carte que j'adore, enfin, clairement, cette carte est magnifique. Deep Eyes White O' Dragon. Bon, ça, tout ça, c'est pas des cartes qui valent énormément en termes de prix sur Card Market. Certaines, oui. Dimension Reflector. Là, on passe sur quelques autres cartes d'autres extensions. Final Kiss. Bon, il y a un petit mélange de tout, là. Il y a un petit mélange de tout. Hop. Mais, bon, clairement, ça fait toujours plaisir. Ça fait quand même des petites cartes sympas. Il y en a certaines que je vais garder pour... voilà, mon plaisir personnel. Pour les regarder. Slifer the Sky Dragon. Un petit dieu égyptien. Là aussi, ça va pas valoir... Oh, quoique, je sais pas si Slifer vaut énormément à la vente. Après, dans le movie pack, je pense pas que ça vaut énormément le coup. Le Stellar Knight Canster Diamond, aussi une carte assez sympatoche. Magical Contract Door. Bon, les Gold Gadget, à la limite, je pense que ça a un minimum de valeur, mais bon, le reste, c'est pas... Après, c'est en anglais. La cote des cartes anglaises est un peu plus faible que la cote française. Les cartes anglaises, elles sont éditées en plus d'exemplaires. Elles sont moins rares, hein, clairement. Là, on est un petit peu sur un peu plus de diversité. Il n'y a pas que du movie pack.
Les arts du rituel avancés. Bon, cette carte me semble limitée ou voire interdite. Je me souviens plus. Non. Elle est peut-être juste limitée, puisque quand même, cette carte est forte. Après, je suis plus trop connaisseur du TCG en ce moment. C'est vrai, moi, voilà, un petit peu plus focus sur Duel Links. On a quand même des cartes spirales. Top méta. Ouh, le rituel absolu de l'ange machine. Bon, par contre, je vais avoir des réactions quand je vais avoir des cartes qui sont de Duel Links. Enfin, qui ne viennent pas de Duel Links, puisque les cartes de Duel Links viennent du TCG. Mais bref, on se comprend. Silent Burning. La princesse Joliton, une carte aussi méta, qui est une ancienne carte méta sur Duel Links. Et là, c'est la seule carte sleeve. Je ne sais pas. Je ne connais pas du tout la carte. Je ne sais pas si elle vaut énormément, puisque c'est. Malakoda, Neverlord of the Burning Abyss. Je ne sais pas si elle vaut énormément. C'est la seule carte sleeve. Bon, peut-être qu'elle vaut de l'argent, je ne sais pas. Je ne sais pas. On a du Zoudiac. Bon, à mon avis, la cote des Zoudiacs a énormément baissé. Je n'ai pas vendu de carte Zoudiac depuis que je suis sur Card Market. Donc je ne me suis jamais trop intéressé au prix. Mais je pense que clairement, en ce moment, vu les dernières banlists, ça ne doit plus valoir grand-chose. Alors, Blade Garudia, le Cubic Beast. Bon, là, on est encore sur des cartes du Movie Pack. Encore des petites magiciennes des ténèbres. Caius, le méga monarque qui se balade par ici, on ne sait pas pourquoi. Cubic Karma. En plusieurs exemplaires, le Cubic Mandala, Counter Gate. Oh, les Crimson Nova. Cette carte est. Les cartes sont tellement belles. J'ai pas trop de cartes récentes à la vente, donc tout ça c'est. Je suis comme un gamin, je reçois une énorme collection et je kiffe voir toutes ces cartes. Il y en a certaines que je redécouvre, il y en a certaines que je découvre. Auguste Beckett, nice! Du Sabre X, Garcem Sabre X, Tueur de Trolls, bon, Sabre X, hein. On trouve ça sympa. Résurrection. La plaque de fusion, ouais, Ten My Day. On a du DDD avec Alexandre, grand roi des rafales. On a du Vitesse Roid, avertissement aveugle, rappel, découverte de l'héritage du monde. Très bien, allez, passons. Enfin, je sais pas si j'ai d'autres cartes rares par là. On va voir, on va checker un petit peu partout. Bon, j'ai réussi à trouver les rares, hein. Il y a tellement de cartes que je n'arrive même pas à m'y retrouver. Bon, il y a même quelques communes qui se baladent par là, on s'en fout, on les met là, puisque tout ce qu'il y a derrière, c'est les communes, il y a 1300 communes. Bon, ça va surtout partir en lot, sauf certaines cartes qui sont des staples qui peuvent bien se vendre, Rance de Miroir, Tourbillon Jumeau, des choses comme ça, qui peuvent valoir assez. Quelques euros, non, pas quelques euros, mais presque 1 euro. Et pour une commune, c'est vraiment rentable. Alors, Cyber Angel Dakini. Ah, je sais qu'il y en a plein qui l'adorent, cette carte sur Duel Links. Dougie Diver. Tenacity of the Monarch. Par contre, les communes, on va aller rapidement, puisque c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Ce qui nous intéresse le plus, c'est les cartes rares. Allez, les cartes super rares, les cartes avec des hautes raretés. YZ, Tank et Dragon. Ah, c'est une super rare celle-là. Qu'est-ce qu'elle fait là? Je ne sais pas. Du Koakimeru. Ou du Necroz. Du Necroz. Du Performapal. Infernoid. Du UA. Encore du Monarque. Void Expansion. Excusez-moi. Je n'ai pas bien centré tout ça. On passe rapidement. On a du Red Raptor. Du YZ Tank. Ouh là. Thousand Eyes Restrict. Ça peut être pas mal. Il me semble que ça doit valoir une certaine somme d'argent, puisque j'en avais deux, absolument, qui étaient en très mauvais état, et pourtant je les ai quand même vendus, et je les ai vendus la même semaine. J'avais pas tout compris, mais il me semble que ça devait être par rapport à une banlist qui changeait sa limitation, puisqu'elle était interdite, et je crois qu'elle est peut-être limitée à 1 maintenant, j'en sais rien. Je suis pas assez le TCG pour ça. Oh, rituel absolu avec une autre Dakini, c'est sympa ça. C'est sympa. Synchro du roi, étranger Cypher. Il y a beaucoup trop de cartes dans cette collection. Mais je suis content, j'ai fait une affaire, les cartes sont en très bon état et je suis très content. C'est vrai que quand je ne passe pas par Card Market, là je ne suis pas passé par Card Market pour acheter des cartes. Mais c'est vrai que j'aime pas trop passer au. Comment on va dire ça? D'ailleurs, c'est quoi ça? Okay. Au customer to customer,
je sais pas, du B2B, on va dire, du business to business. Puisque, bon, on n'est pas sûr de. Il n'y a rien pour réguler ça, en fait. Genre, si le gars t'arnaque, et ben, t'as pas trop d'excuses, quoi. Et on a une petite link. Une petite link qui n'est peut-être pas non plus hyper ouf. Mais en plus, cette carte me rappelle un Aragami dans Dragon Hunter 1 et 2, l'Hannibal. C'est pour ça que je l'aime bien, cette carte. Dragon Tyran métaphysique de l'héritage du monde, de la Far Star, Trickstar. On a quelques Xyz. Des fois, je vois pas la rareté. Je me dis, bah mince, c'est des communes au milieu. Mais non, pas du tout. Et qu'est-ce que je disais donc? Mais voilà, on s'est bien arrangé, je me suis pas fait arnaquer, il ne s'est pas fait arnaquer, je l'ai bien payé, vous inquiétez pas, tout va bien, tout va bien, et je peux même vous faire profiter un petit peu de cette trouvaille, tellement de cartes, plein d'attaques furtives de mer, plein d'attaques furtives de mer, tout ça des packs, je ne sais plus, pack du duelliste, c'est un pack récent, hein, c'est un pack récent où ils ont fait un petit peu de recyclage de pas mal d'archétypes. De vieux archétypes, dragon démasqué. Quand j'ai vu cette carte, je me suis. Ah, j'ai trouvé ça sympa. Le dragon démasqué. Destructosaur, Tenmaitaigai. On a encore deux. Du Nécrose, Ariel. Dragon le pulsation faune. Ça fait plaisir. Du cyber ténébreux. Du cyber ténébreux, ça c'est sympa. Ça j'aime bien, les monstres cyber ténébreux. C'est pas ouf, du prêt d'implant aussi. Cyber ténébreux, c'est pas ouf comme archétype, mais moi je m'en fous, ça m'amuse. Ça m'amuse, c'est des cartes sympas. Là on est encore sur de la rare, ouais. Oui, on est bien encore sur de la rare. Encore Charming Resort Start. Staff, plutôt. Excusez-moi. Carte très sympa, j'adore l'illustration. Oh là 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 là. Archère de la Rose. Ok, bon, passons. Je crois qu'on a fait le tour sur les rares. On va pouvoir passer sur les super rares maintenant. Bon, et bien, encore une fois, on va avoir tellement de cartes super rares. Je suis obligé de faire des petits paquets pour pouvoir vous les montrer. Hop, ça va là. Alors, on a du Chevalier Noble, Démon Légendaire, Sorcière Binaire. Une petite Link. J'adore voir les Link. J'ai tellement envie de les essayer. Bête fantôme mecha, là on est sur des trucs qui peuvent avoir plus de valeur. Tout dépend, du Shadol, du Thunderclap Skywolf. Là on a pas mal de Full Metal Force Fusion, on aime bien. Obéissance scolarisée, on a voilà, y a un petit peu d'anglais, du français, mais bon, ça, de toute façon, je pense que ça peut se vendre. Là il y a certaines super rares qui valent pas grand chose, hein, genre ça vaut pas grand chose. Si j'en vois une qui me saute à l'œil. Mais après, les cartes récentes, je suis pas trop au courant des cotes. Mais à mon avis. Non, ça s'obtient dans un deck. Donc ça va pas valoir grand chose. Excentrique, Arc Démon. Ça valait quelque chose, mais en secret rare. Mais là, bon, super rare, ça vaut pas énormément. On a pas mal de Zephra. On a du Metal Foes. Pendulum Impression. Pendule impressionnant. J'allais prendre mon accent anglais alors que c'est pas du tout, voilà, c'est pas du tout anglais, c'était du français. Là, on a pas mal de cartes pendules. Là aussi, j'adore voir ça, toutes les cartes pendules. C'est des cartes que j'ai jamais jouées. Moi, j'ai le TCG, j'y ai joué grâce à BCA, mais en carte réelle, j'ai plus joué au TCG depuis vraiment longtemps. Vraiment longtemps. Et là, pas mal de Link encore. Hib, la prêtresse du calice du monde. Gouki, le grand ogre. Rematch Gouki, Dedede, César. On a les sorciers Cybers, enfin, Cybers. Les nouveaux monstres Cybers de Vrains. Et nous avons le Mystar, garçon étoile. Bon, c'est une commune dans Coupe-Circuit. Voilà, Coupe-Circuit. Fusion alternative en plusieurs exemplaires. Roi des marais, le roi des marais. On aime bien. C'est une vieille carte, mais intéressante. Sergent électrique! Sur Duel Links, les gars, Sergent électrique, cette carte est tellement, s'utilise tellement. Ah, et là, on a les cartes un petit peu, c'est pas des super rares, c'est des, comment ils appellent ça? Bon, là, vous voyez, il y a des petites étoiles, avec plein de l'archétype Yusenju que j'adore l'archétype Yusenju.
Le Samouraï Supra Lourd aussi, c'est sympa, les vitesses ruides, je sais qu'on est beaucoup à les aimer. Le pêcheur légendaire, toujours les petites étoiles, c'est sympa. À la vidéo comme ça, c'est très sympa. On va passer assez rapidement. Du fourreur, bon deck aussi. Dragon Rébellion aux yeux impairs. Ce monstre. Il est pas facile à placer, mais clairement qu'il est placé, je me souviens, je m'amusais tellement avec cette carte. J'ai joué sur Legacy of the Duelist, et le requin marteau, sur Duel Links, encore une fois. Je me souviens à jouer le Dragon Rébellion, l'Exis des Ténèbres, ou je sais pas quoi, aux yeux impairs. Et franchement, cette carte, si on arrive à bien rentabiliser son effet, ça peut être une bonne carte, mais bon, elle est très compliquée à placer. Plein de morphos, genre numéro 2, Golem Go Go Go. Du Yosenju encore, on a de la Maestria, de la musique. Et Volzar Lagia. On repart sur la super rare, la mélodie du réveil des dragons. Il me semble que ça peut valoir un petit peu d'argent, la mélodie là. Et on a des animaux féerica, Luna. Et là, oh, Filika, très sympa. Et Dragon Suprême. On a plusieurs dragons suprêmes là. Ça c'est bien. Regardez cette carte. Elle est kawaii. J'aime bien. On va placer ça ici. Beaucoup trop de paquets de cartes, les gars. Beaucoup trop de paquets de cartes. Anomalagré, Paléozoïque. C'est toujours compliqué. Magicien d'illusion noire. Est-ce que ça vaudrait pas un petit peu d'argent, ça? Mais il me semble que si. Magicien sombre, Toon, Golem Sentinelle en super rare. Ok, très bien. Une petite réédition, très sympa. Partager la douleur. Ça, c'est vraiment une carte vraiment à l'ancienne. Du True King, du Chevalier Fantôme, c'est sympa. Tout est un petit peu en désordre, hein. Moi je rangerai tout ça bien par nombre d'exemplaires. Encore du Métamorphose, du Dragon du Vortex en double exemplaire, du Métamorphose double exemplaire encore, j'adore. Je suis un enfant actuellement, je suis un enfant actuellement, je redécouvre plein de cartes, j'adore ça. Dragon suprême aux yeux impairs, encore une fois, mais il y en a combien? Du True Draco! Bon, ça aussi, je pense que le True Draco a pris un gros coup. Il me semble que c'est la dernière banliste. Du coup, ça ne vaut plus grand-chose. Enfin, ça a perdu de la valeur. Plein de cartes Seigneur Lumière, Loviraptor Mangeâme, en double exemplaire. Triple exemplaire, j'ai rien dit. Monte perdue, combinaison, bâton et magicien, animal féerique, belle, escalade des monarques et Avalon. Hop, on va placer ça ici. On va encore prendre un autre paquet de super rares. J'en ai encore pas mal, j'en ai encore énormément. Et encore deux mélodies du réveil des dragons. Avertissement divin, ça vaut quelque chose. Roi véritable, Zefrahat. Du roi suprême du portail pour invoquer Zark. Pour invoquer Zark. Cette fameuse carte numéro 1, numéro 41, Baguska, le tapir terriblement fatigué. Cette carte, la version OCG, je sais plus si c'est la version OCG, enfin japonaise ou coréenne, où en fait, eh ben, ce monstre, normalement, il est bourré. Hein. C'est pas des coussins qu'il a, c'est des bouteilles d'alcool. Et du coup, bon, une petite censure, on lui met des coussins, on dit qu'il est un petit peu amorphe, et voilà. Mais ce n'est pas ça, Cholen, qui est arrivé il n'y a pas longtemps sur Duel Links. Un mégamorphe, on l'attend toujours sur Duel Links, bien sûr. Ce serait extrêmement fort. Botte de miel, araignée lien, je commence à avoir mal au bras. Je ne suis pas habitué, hein. Franchement, gros respect au youtubeur Yu-Gi-Oh! TCG qui ouvre les boosters à longueur de journée. Alors, là, ça me fait mal au bras, hein, je vous le dis. Minerva, la demoiselle Seigneur Lumière, insecte mangeur d'homme illusionniste du vent. Ah, elle est un petit peu abîmée. Boxeur, bon, toutes les cartes ne peuvent pas être en parfait état, ça c'est sûr. Garde draconique, encore une carte de Duel Links. Bon, personne ne l'a jamais utilisée, mais elle est sur Duel Links, pour ceux qui ne le savaient pas. Tortue pyramide, guerrier d'intervention, Axel Sabre-X, Wolf. Pas mal de Sabre-X ici. Ça c'est un Sabre-X? Sabre-XX, ok. Wayne Sabre-X. Bon, attendez, j'ai trop de cartes là. J'ai encore trop de cartes. Loup Froureur, Fusion Froureur, Division Chien Peluche Mâle, du Mouton Froureur en 3 exemplaires. Allez, encore. Oh là là, je suis en train d'empiler tellement de cartes que ça va tomber. Hop, on reprend notre paquet. Là, il reste celui-ci et un autre. Alors, on a la Princesse Chouchou Sylvain.
Cascade, Dame de Dragon, 0 encore des cartes pour le deck Zark, ou Dragon Roi Suprême, hein, je sais plus comment ça s'appelle. Le Chevalier Fantôme du Javelot, Ex-Princesse Sylvane, bon, plusieurs exemplaires, elle est là, elle est présente. Du Sub-Terreur, Demeuré Spirale, oh! Ok, très bien, je n'avais jamais vu ce monstre, Espiral. Bon, après, je connais pas très bien le deck non plus, comme je vous le dis. Du Zodiac, Bâton du Magicien. Bâton du Magicien, je ne sais pas si ça. Il me semble de souvenir que ça vaut peut-être quelque chose, mais je n'en sais rien. Magicien de l'illusion noire aussi. Feu. Pot de vin. Pot de vin, une bonne carte à l'ancienne. Lyrilusque, Rossignol Assemblé. Encore une bonne carte. Monde des rêves. Monde des rêves. Ok. Dragon de l'eau rassemblé. La nouvelle version du Dragon de l'eau, bien sûr. Du Super Véhicroïde, celui qui a 5000 points de défense, absolument insane. NTS, ancienne entité. Je ne sais plus quel est son effet. J'ai trop de cartes. Monde des rêves. Rebarayan. Du petit requin. Et du numéro 68, Prison Céleste. Ça la fonce, je suis cerné de cartes. Du Clifford, du Clifford. Du Master Pendulum, Sentinelle Clifford, Magicien Étoile de la Mort. Sympa, c'est sympa cette carte. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Ouais, j'aime bien. Du Métamorphose rare. Magicien Dragon Fausse, Hamster Softer. On en avait vu un tout à l'heure. Je pose les cartes petit à petit à des endroits. Pour éviter d'être surchargé du Zefra, du Noble Dragon, Magicien Noble Dragon, c'est pas un archétype ça il me semble. Prison Céleste encore une fois, Féru de Bataille en super rare, ouais, ils ont édité ça en super rare la Féru de Bataille, très très bien. L'araignée à roulettes, ça vient de l'animé du duel entre Esparoba et Joey. Encore du bon Zefra tout ça, il vient de la non-hésitation. Pendule impressionnant. Une carte glisse. Hop, voilà. Habileté de l'invocateur. Ouh, le Néo-Dragon Cypher aux yeux galactiques. Cette carte est absolument classe. Tellement classe. Prêtresse. On a du Kaiju. On a du Kaiju. Et on a du cyber. Du dragon cyber ténébreusement. Alors, bien sûr, un nom extrêmement français. Ça ne veut rien dire. Mais voilà, on prend, on prend. La princesse amazonesse, Dioterion et le pêcheur légendaire 2 et un autre dragon de l'eau rassemblé. Et c'est fini pour les super rares, maintenant on va passer aux ultras. Bon, maintenant pour les ultras, bon ça va aller un petit peu plus vite, il n'y en a que 4500. Que 4500, qu'est-ce que je raconte? Que 450, que 4500, là ce serait rentable, hein, l'argent que j'ai mis pour une collection. Alors... Bébé dragon aux yeux rouges, cette carte, oh j'adore, oh, plusieurs exemplaires, deux exemplaires, Ben Fantôme Mecha, Impula bleu, bébé tigre amazonesse, oh là là, cette carte est tellement kawaii, du Seigneur Lumière, zone de dimension parallèle, Videur Cactus, Valkyrian, ou Trapvan, la carte de Duel Links, qui est tellement forte. D'ailleurs, j'ai vu le mur de l'interruption. Bon, par contre, dans le TCG, c'est une commune. Elle n'est pas si forte, mais par contre, sur Duel Links, cette carte est extrêmement forte. Roi véritable. On a du roi véritable. Château du lien. Célestial l'ange. Bras droit de l'interdit. Il y a les 5 parties d'Exodia. Il y a le cercle magique sombre en deux exemplaires. Et ça vient de l'extension de base. Hein. Ce n'est pas une réédition. Enfin, ouais, donc à mon avis, ça peut. Ça peut valoir une petite somme d'argent. Magicienne aile blanche. Ok, bon là on va avoir pas mal de doubles, de triples, de quadruples, de 5, de quintuples et tout ça. Magicien poison violet, je vais poser ça. Alors, il n'y a plus de place sur ma table tellement je suis en train d'éparpiller les cartes partout. Le bras gauche, magicien sombre, magicien crâne noir. Regardez ça, magicien sombre du chaos, magicien sombre du chaos sombre, magicien étoile du temps, plusieurs exemplaires encore une fois, Matos et Spirale, magicien du livre de la magie de prophétie, Maître Nova. Regardez, les véritables Draco assassins, cette carte tellement belle. Et magicien sombre, le dragon chevalier. Voilà, petite coupure,
petite coupure le temps que voilà, je ne sais pas ce que mon portable m'a fait. On a un dragon poussière d'étoiles en ultimate rare. Il est un peu abîmé, mais il me semble que ça peut falloir quand même de l'argent. Tout ce qui est pris ultimate rare, c'est vrai que ça se vend, puisque c'est quelque chose qui ne se fait plus. Ça peut être intéressant à vendre, ça aussi. Le Mikael, le grand, le Seigneur Lumière, Mortir Tigre du Zodiac. Me fait penser à un personnage d'animé, mais je me souviens plus lequel. Je me souviens plus lequel. Dragon Proxy en plusieurs exemplaires. Hein. On voit qu'il a ouvert pas mal de box de Kaiba et de Yugi. Encore du sorcier, du magicien qui vient du booster, des magiciens pendules. Je ne sais plus comment ça il s'appelle, mais c'est à peu près ça. Du Seigneur du Temps. Parfum anti-magie. Deux parfums anti-magie. Ça peut être intéressant, ça. Gros œil, numéro 62, Dragon Photon, primordial aux yeux galactiques, ce nom est tellement long. Néo Dragon Photon, aux yeux galactiques, navigation du magicien. LEDD. Il me semble que c'est encore c'est pas une réédition, le cercle du magicien. Donc ça peut valoir quelque chose. Soldat galactique en double exemplaire, ça c'est bien. Du roi véritable encore. Dragon pendule aux yeux impairs avec l'illustration en. Illustration un petit peu différente. Encodeur bavard, bien sûr, le fameux archétype bavard. Sacrée traduction française. Épée de révélation de la lumière. Esprit du dragon blanc. Deux exemplaires. Exodia l'interdit. Comment il s'appelle? Comment tu t'appelles, toi? Dissolveur aux yeux potartistes. Aux yeux impairs potartistes. Très bien. Dragon du carnage Chimera Tech. Dragon pendule arc aux yeux impairs, dragon lancier aux yeux impairs, Dididi super roi du déclin, Magiton sombre, voilà. Les monstres DDD, je les kiffe. C'est un deck qui est pas facile à maîtriser, mais clairement je les kiffe. Plein, oh là là, regardez, mais il y a trop d'exemplaires de cette carte. Il y en a beaucoup trop. Pendule graphe des étoiles en 4 exemplaires. Le devin des protecteurs du tombeau, encore une carte qu'on retrouve sur Duel Links. Dragon Fusion, venin affamé. Oh là 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 là. Baleine citadelle. Nouvelle version de la baleine forteresse. Chacanine du Zodiac. Chevalier Dragonité, croisée d'Endymion. Où est le Cyber Dragon Infinity? Cyber Dragon Infinity, vous savez à quel point je tiens à cette carte. Ah non, LEDD. LEDD, c'est la collection des. Ça se trouve, il y en a certains qui l'ont dit en commentaire. Calmez-vous. C'est bon. Oui, LEDD, c'est la collection des decks du Dragon Légendaire. Donc, c'est bien une réédition, les Cercles du Magicien et. Je ne sais plus, l'autre carte. Donc, oui, non, ça ne va pas valoir grand-chose. Hein. Je n'ai rien dit. Je retire tout ce que j'ai dit. Frappez-moi si vous voulez. Puisque j'ai dit de la merde. Tyranno Ultime, conducteur. En 3 exemplaires, transmodification, transcendance espace-temps, et sur ces triportes, sortir de la magie noire. C'est la nouvelle sorcière de magie noire? Briseur de garde. C'est la nouvelle, ça? C'est avec la. C'est cette carte. Vous ne pouvez ni activer ni de carte, ni d'effet de carte de ce nom. Oui, c'est la nouvelle. C'est la nouvelle qui a un nouvel effet. Magicien Silence niveau 8, adoration, hérovision. Plusieurs exemplaires à maternelle, attaque flamme spirale, Andabata, Bethlehater, appel urgence roïde, underground, apprenti magicienne illusion. Cette carte est absolument magnifique. J'adore cette carte. Et qui valait son pesant d'or quand elle était éditée qu'en OCG. Alors que bon, nous, dans le TCG, on l'a reçu dans un deck, quoi. Eux, ils devaient l'acheter dans un booster. Ils devaient l'avoir dans un booster. Seigneur du temps, là, il y a un assassin. Oh, Félix. J'adore Félix aussi. J'adore Félix. Extrêmement kawaii. Force de miroir en ultra. Force de miroir en ultra. Et de quelle édition? Yugi Gold. Fausse. Enfin, Yugi Gold. C'est pas vraiment Gold, mais ok. Fausse du vide. Garrote. Garrote. Gatling Ghoul, Potartiste,
Je lance, Magidol, c'est Red Raptor, Faucon Canon, Satellite, le Red Raptor, Force Strix. Red Raptor, Force Strix, encore une fois, Peau des Désirs. Alors là, bon, sur les Peaux des Désirs, il a craqué, hein, tout va bien, il en a 6. Mais bon, ça, c'est la réédition, c'est la promo, donc ça vaut absolument pas grand-chose. Et les petits pteranodons. En 3 exemplaires, pierre blanche ancienne, héritage du véritable Draco, grand magicien d'ébène, Infernoïde Deviati, impact jurassique du sanctuaire pour les seigneurs lumière, le solitaire Shiranui, en 4 exemplaires, c'est quelle collection ça? MP17, oui, ça ne vaut pas énormément. Roi du train à vapeur, samouraï supralourd, 2 exemplaires, roi de brume, Rex le géant. En un exemplaire Lumina, en 2 exemplaires Lila, en plusieurs Magicienne des Ténèbres. Magicienne des Ténèbres. Oh là là. Mademoiselle Majesté, véritable draconienne. Oh là là. Je suis tellement fan de l'illustration de cette carte. Bon, voilà, dès qu'il y a des filles kawaii sur les cartes, c'est bon. Moi, je suis amoureux, c'est mes waifus, et voilà. Et là, les gars, on a 4 dragons blancs aux yeux bleus. Premièrement, alors là, la baleine aura blanche, dragon jumelé d'explosion aux yeux bleus, dragon jumelé et le cercle magique sombre. Voilà, cette carte, ça, celle-là, c'est pas une ré... Ah si, c'est une réédition, MP17. Oh là là là, mais je me fais avoir en 2 exemplaires, mais ça reste bien. Barrière dimensionnelle en 3 exemplaires, barrage zodiaque en 2 exemplaires, virus force maximum, shogun défense totale, witch raid, Hérovision. Prédaponique, ultra polymérisation, pilule d'évolution. Là, on a pas mal de secrets, mais qui sont des rééditions. Monstre de mer de Thésée, MP17. Taureau du Zodiaque, Minerva. Et là, par contre, ça c'est la Minerva, la carte qui vaut. Cette carte-là peut valoir assez. Bon, à un moment elle valait dans les 1000, mais bon, ça c'est quand c'était juste une carte qu'on obtenait en fin d'un tournoi. Dragon Fusion, du Cryptoscopie, héros de la destinée. Force de miroir de la noyade en 2 exemplaires sanctuaires, artefact synchronique aux yeux un perpot artiste, effondrement magique, éditeur, dresseur bédiateur, Elysium l'invoqué. Absolument classe, événement stupéfiant. Cabazole en secret. Ils ont édité Cabazole en secret. On ne sait pas pourquoi, mais ok, il est là. Furet Sauveteur, Fusion aux yeux impairs. Majolanica l'invoqué. Garde précis. Je pose les cartes. Le gardien celtique, l'hydre. Drosophyllum, près la plante. Magicienne Sedapana. Illusion noire. Mangeur d'étoiles. Ça aussi, ça vient de quelle extension? C'est BLR. C'est l'extension qui plaisait à tellement de gens et que j'ai moi-même ouvert. Que j'ai moi-même ouvert sur ma chaîne. La seule ouverture de booster que j'ai fait sur ma chaîne. Où il y avait tellement de rééditions de cartes. Il y avait celle de comment elle s'appelle? Ça. La réédition de Dragon Synchro de l'aile claire. De l'aile de cristal, je veux dire. Il y avait cette réédition là, mais celle de Minerva, voilà. C'est pour ça que ce booster avait tellement de valeur. Et on a fait le tour, on a fait le tour. Bon, après, si vous voulez, on peut passer aux communes, hein. Comme ça, on se fait une vidéo d'une heure. Non, on va pas passer aux communes, puisque regardez, il y a ce paquet là, il y a ce paquet là. Attendez, je vais pousser pour que vous voyez un petit peu. Je veux dire, regardez, il y a ça en commune. Il y a ça. Il y a. Il y a ça, il y a ça, voilà, il y a encore ce gros paquet là, il y a, si vous voyez bien, tout ça encore, presque toute une boîte, la moitié d'une boîte. Donc voilà, on est servi, on est servi. Je vais en avoir. Je vais en prendre du temps pour mettre tout ça sur Card Market. Ceux qui ne le savaient pas, du coup, j'ai une boutique Card Market. N'hésitez pas à aller dans la description pour aller justement voir les cartes qui sont en vente. Là, je vais. Si vous avez des cartes qui vous intéressent dans tout ce que je vous ai montré,
Ben, elles seront sûrement sur le site. Bon, je vais faire petit à petit. Tout ne sera pas sur le site dès que vous verrez cette vidéo. Mais voilà, chaque semaine, il y en aura de nouvelles qui vont être ajoutées. Puisque bon, là, là, il n'y a pas 3000 cartes, mais ça fait combien? Ça faisait au moins 1000 cartes à rentrer. Puisque moi, sur Rocket Market, je mets pas les communes, sauf certains rares cas. Moi, je mets que les ultras, les secrets, les super et les rares. Et là, je veux dire 75 secrets, 450 ultras, 400 et plus super rares et quelques communes, quelques rares. Enfin, les rares, il y a quoi? Oh, je m'en souviens plus. Beaucoup trop de cartes. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un like, un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas fait. On se retrouve la prochaine fois. Allez, bye tout le monde! I take the dream to live inside of yours. Lies and gods and nightmares and react. Trembling and to try to grow. The person that I wish that I'd be. The feeling of fingers on my skin and lingers even after all these years. It's the only color that remains inside my heart. Every time I try to look into the shadow.